Mercredi, le ministre de la Défense a annoncé la suppression de 7500 postes dans l'armée pour 2015. Pensez-vous que l'armée est toujours utile ? Bien sûr. Dans un pays où la démocratie existe, il faut une armée pour défendre le territoire. Moi, je suis pour l'armée, de quelle que soit, hein, marine, aviation et armée de terre, parce qu'on a besoin d'une armée. Sinon, un jour, on ira à la catastrophe. Moi, je suis antimilitariste, donc dès le départ, je trouve que l'armée est inutile. Pourquoi ? Parce que la solution de se taper dessus pour régler un conflit, c'est pas la meilleure. Ça l'a jamais réglé. On en a besoin. Ils enlèvent tout, de toute façon. Alors, ils détruisent tout. Alors, je trouve que c'est dégoûtant. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait tout simplement continuer à augmenter les effectifs et non les baisser, compte tenu de tout ce qui arrive en ce moment. Hein. La vague de cambriolage qu'on a eue. Donc, c'est important. Plus de gendarmes, plus d'armées. Il faut que la France reste la France. Il faut des soldats pour nous défendre. S'il y a un problème, il faut que le pays puisse répondre, sinon je sais pas comment on va faire. Pour moi non, pour moi c'est pas utile. De toute façon en France maintenant l'armée, il faudra en supprimer une partie, pas tout. Pas tout, 7500, ça fait beaucoup peut-être.